Eh bien, salut à tous. Moi, c'est Lydie Monkichem. Je suis une femme active. J'aime bien bouger. C'est-à-dire que je n'aime pas rester comme ça. Bon, je sais pas, en attendre que mon salaire ou ce que mon mari va me donner. J'aime dépendre un peu de moi-même. C'est-à-dire que quand je veux m'offrir quelque chose, eh bien, je ne passe forcément pas par mon mari. Je le fais et puis je me fais plaisir. Donc aujourd'hui, comme je disais, voilà, j'ai des bijoux, ils sont là, en acier inoxydable, que je vends bien sûr. Ah, tout ça, c'est de la marchandise. Ils sont là, c'est de l'acier inoxydable. Je suis une dame qui aime bien le beau, la beauté. Hein, vous voyez, c'est ça. Tout ce que vous voyez ici sur la table, ce sont les bijoux que je vends et qui ne bougent pas. Donc, c'est comme je disais, c'est inoxydable. Voilà, ils sont sur la table. J'ai tout ça et c'est à bon prix. Donc, tout le monde peut se l'offrir. On se dit, voilà, comme ici, par exemple, chez nos pays. Et je pense que c'est un peu identique dans le monde. Quand tu as de l'or, eh ben, les gens te l'arrachent. Ah, ici, on les appelle les chéguis. Ils te l'arrachent. Tu as ton collier, pouf, on te le prend. Tu as ta boucle, cric, on te la prend et on te casse l'oreille. Alors maintenant, les gens préfèrent peut-être des fantaisies, des bijoux fantaisistes ou encore carrément de l'acier. Mais moi, j'aime bien l'acier, c'est parce que l'acier ne bouge pas. Bon, et c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je suis en train de vendre pour le moment. Évidemment, je vends aussi des chemises, c'est-à-dire tout ce que je trouve. Je suis polyvalente, enfin, c'est un peu ça. Je vends des chemises, je vends de la bouffe même. Même de la bouffe, je vends. Je vends tout ce qu'on me présente, tout ce que je trouve, je vends. Parce que c'est comme je disais auparavant, je ne veux pas dépendre à 100% de mon mari. Je peux des fois, quand je le veux, me passer de lui. Et c'est ce que je conseillerais aussi à toutes les femmes. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, je n'ai que ça. Et puis, bon, c'est comme je disais, je les vends à un prix abordable. Donc tout le monde peut se l'offrir. Je ne vous dirai pas le prix, mais c'est très, très abordable. Et c'est ce que je suis en train de vendre pour le moment. Aujourd'hui, c'est le 6 février 2020. Eh ben, je n'ai pas travaillé. Je me suis tapé un jour de congé pour aller trouver ces bijoux et les revendre et avoir un peu d'argent. Donc, comme j'ai pu les avoir aujourd'hui, demain, je les emmènerai au service chez moi. Les présenterai à mes clientes et voilà. Et je suis payée comment? C'est souvent, enfin, cash, c'est un peu difficile qu'on puisse me payer cash. Alors, j'attends à la paix, c'est-à-dire dès qu'on nous paye, moi aussi, on me paye. Et quand je livre aujourd'hui, le 6, je serai probablement payée le 20 de ce mois. Alors, comment vous joindre, comment s'en tirer? Oh, Comment les clients vont faire? Oh, justement, c'est simple. C'est-à-dire que moi, je vais vers les clients. Je vais vers eux. C'est comme ça que les choses se passent. Ils sont assis chez eux, bien calés dans leur fauteuil. Et moi, je vais vers eux et je leur présente ma marchandise. Et c'est pas à tout le monde que je présente. C'est pas à tout le monde que je sais pas. Non, c'est pas. C'est parce que il y a ceux aussi. Il y a des clients qui sont difficiles, qui paient difficilement. Il faut courir après ces clientes-là. Alors moi non. Moi je trie. Comme j'ai commencé à vendre depuis que j'étais haute comme trois pommes. Donc aujourd'hui, je sais dire savoir que celui-là non, il me fera marcher et je laisse tomber. Donc moi je trie. J'ai ma clientèle,
qui a confiance en moi, parce que j'ai commencé à vendre depuis longtemps. Donc je trie et je présente et ça marche. Ça marche pourquoi? C'est parce que mes clientes ont confiance en moi. Elles savent que ce que je leur présente, c'est la qualité. C'est-à-dire que quand moi, Lydie, je viens, elle n'hésite pas. Elle dit non, on prend. C'est la qualité. Et ils prennent, et elles prennent, et tout le monde ferme les yeux. Et je dirais aussi que j'ai aussi des clients, parce que je vends du tout. Je vends des caleçons, je vends des chaussettes, et voilà. Et c'est toujours la bonne qualité. Parce que moi, je choisis ce qui est bon. Et ça, et bon, c'est pas tellement cher non plus, mais c'est bon, on achète et tu gardes ça longtemps. C'est pas aujourd'hui tu achètes quelque chose à 1 franc, après, un mois, eh ben ça va plus et tu changes, tu dépenses 1 franc. Et quand tu multiplies 1 franc pendant toute une année, ben, tu auras perdu combien? Autant acheter quelque chose du coup qui te coûterait 12 francs et que tu garderais p 20 ans. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Et voilà. Et ici, je suis à la maison, chez mon mari. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, donc je suis chez mon mari, je suis à la maison. Voilà. Ça, c'est mon mari, ça, c'est notre photo de mariage. Je suis mariée il y a 12 ans, là. Et ici, c'est moi. Et puis là encore, c'est la photo. Je ne sais pas si on pourra prendre ça. Bon, ça, c'est la photo de mariage. Et voilà, donc, je suis là aujourd'hui. C'est comme je le disais, je suis là aujourd'hui. Ah, ok, j'ai oublié. Il y a encore une autre photo derrière moi. Voilà, c'est quand mon mari, il avait... Qu'est-ce qu'on ne s'est pas promis, je ne sais pas trop bien. Bref, il était, bon, ambassadeur de la paix. Alors, comme, voilà, c'était ça. Et cette photo a été prise lors de son investiture. Je ne sais pas si ça se dit ainsi, mais c'était ça, voilà. Il est là, nous sommes là, et voilà. Et donc c'est un peu ça. Et je suis... Ça, ce sont les bijoux que moi j'ai. Voilà, je reprends encore, je reviens sur les bijoux. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai porté. Et je me suis dit que maintenant, j'opte pour l'acier inoxydable. Je garde un peu mon or et je pense que je porterai ça peut-être longtemps. Parce que moi, c'est parce que c'est inoxydable. Hein? Donc la couleur ne bougera pas. Voilà, ça, c'est ce que je vends. Ce sont des colliers. Mais c'est très joli, hein. Je peux même sortir un du sachet. Vous verrez que c'est vraiment... C'est beau. Vous voyez ce que je vends? C'est beau. Et ça fait vraiment classe, hein, hein, entre nous. Ah oui, les dames. Ah oui. Loulou, c'est ma petite nièce que j'aime beaucoup. Elle se reconnaîtra. T'as vu, Loulou? Ça fait vraiment classe. Vous voyez comment ça fait, là? Voilà que je sorte encore notre bijou. Vous verrez que c'est vraiment... Que c'est vraiment, vraiment joli. Ça, c'est de l'acier rose. Minute, il faudrait que je sorte ça du sachet. Ah là là. Oh là 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 là. Voilà. Ça aussi, vous voyez comme c'est. C'est joli. Vous voyez? Voilà. Comme c'est. Waouh, c'est ça aussi. Et c'est à bon prix, hein? Vraiment abordable. Tout le monde peut se le procurer. En tout cas, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Eh bien, ça, c'est un bracelet. Qui est encore joli. Attendez une minute. Attendez. Voilà. Voilà. C'est un bracelet aussi que j'aime bien. Et c'est ce que moi j'aime dans ces histoires-là, enfin, dans ces bijoux. Je n'ai pas ça en série. Donc, quand tu prends ton bijou, tu ne le retrouveras pas sur... au coin de l'avenue. Donc tu seras, c'est comme on dit, peut-être des pièces un peu rares, hein? Et c'est ce que moi j'aime bien dans mes bijoux, hein? Ce sont pas en série. Voilà, vous voyez comment c'est collé. J'avais raison, il est vraiment superbe. Vous voyez,
Voilà, et à bon prix, abordable. Abordable. Et si vous voulez en avoir, je suis là. Je peux vous en livrer autant que vous en voudrez. Vous voyez comment ce collier est. Voilà. Oh, ça c'est ma marchandise que j'ai que j'ai eu aujourd'hui là. Alors ça c'est encore notre collier, notre modèle de collier là. C'est un mélange acier. Voilà, 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 voilà. Il est là. Voilà notre collier. Voilà. Il est acier avec mélange acier. Je ne sais pas trop bien, mais bref. La couleur ne bouge pas. Moi, c'est ce que je vis, c'est quoi? Quand la couleur ne bouge pas, eh ben, je m'arrête là. Je n'ai pas à savoir de quoi, du combien. Mais c'est ça déjà l'essentiel. Donc c'est ça. J'ai déjà vendu une grande partie déjà. J'ai déjà livré une grande partie. Hein. En tout cas, j'en ai livré. Et mes clientes encore en demande. Mais non, je me dis, j'étais en train de me dire tout de suite. Je dis, oh, yeah. C'est tellement beau que j'aimerais tous les prendre pour moi. Alors je me dis, et si je prenais tout, ben, qu'est-ce que je veux devenir? Donc, je n'aurai pas, bon, j'ai pas de bénéfices, donc je suis contraint de tout vendre. Bien que ça soit vraiment joli, mais je me dis, si je prends tout, donc, mon bon est koufi. Voilà, vous voyez combien c'est joli. Vous voyez ça? Waouh! C'est joli ça, oui. Donc, je suis contrainte à tout vendre et attendre le prochain lot et enlever quelques pièces pour moi-même. Mais franchement, je vous dirai, j'ai envie de tout prendre, vraiment. Ça, je pense vous l'avoir déjà montré. Et voilà. Voilà comment les choses se présentent. Comment c'est joli, vous voyez? Comment les choses se présentent. Et tout ce que je porte, c'est ça. De l'acier inoxydable. Voilà. Je ne porte que ça maintenant. J'ai opté pour ça. Pour un peu casser, entre guillemets, les chégués. Bon, je ne sais pas trop bien. Les chégués. Bon, ils diront, bah, mais ça, c'est pas de l'or. Ça, c'est n'importe quoi. Mais bon. Moi, eh bien, c'est joli. Et c'est ça. Ah, j'ai aussi des boucles. Hein. Il y a des boucles aussi qui... J'ai aussi des boucles, ça aussi j'ai aimé. Je vais vous montrer les boucles. Voilà. Toujours en acier inoxydable. Vous voyez les boucles que moi je vends. Et si vous voulez, je peux vous en procurer. Ça, je peux vous en procurer. Hein? Passer commande. Voilà, j'ai aussi un... Voilà, ça aussi j'aime bien. Pas mal, hein? N'est-ce pas? Vous voyez cela? Ça aussi j'aime bien. Regardez comment c'est. La finition. Je peux vous en procurer. Si vous le voulez bien, moi je suis dispo. J'ai encore une jolie bague ici. Je vais vous la sortir de son emballage. Voilà. Vous voyez comment c'est là. La bague, elle est jolie. Avec une perle. Une perle et du cristal. Je pense que tout autour, je pense que c'est du cristal. Nous avons de l'acier inoxydable. Du cristal incrusté du cristal là et puis une perle solitaire. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est bon, voilà, ça je vous ai déjà montré, et je pense que j'ai aussi de l'acier. Ça je vous ai montré, ce sont des boucles hein. Attendez un peu, je sors un peu de l'emballage parce que là, voilà, ça c'est son bon, ça c'est pas mal. De l'acier qui a, je sais pas, voilà, la couleur un peu dorée, ça aussi je suis en train de vendre. Et je pense que voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui. J'attends vos commandes. Je suis à votre entière disposition. Appelez-moi et moi, je viendrai vers vous. Si vous voulez me payer au cash, au comptant, eh ben, ça me ferait énormément plaisir. Au cas contraire, ben, j'attendrai. Un mois, ça passe vite, hein?
un mois, c'est vite arrivé. On se dit, ah ben je peux prendre aujourd'hui, ah ben, je peux prendre maintenant les bijoux de Lydie. Je paye aujourd'hui, je prends aujourd'hui le 6 février 2020 et je paierai, je sais pas, le 20. Et vous savez quoi, le 20, c'est vite arrivé. Hein. Moi, tu prends, il n'y a pas de problème. Je ne crains rien. Mais je sais que le 20, là, je suis à ta porte. Je viens vers toi et on fait l'affaire, on fait le marché. Ok, bon, je pense que pour aujourd'hui, c'en est fini. Et je vous remercie, vous tous qui avez suivi cette petite émission. Je pense que vous me contacterez. Et moi, je suis là pour vous faire plaisir. Je suis là rien que pour vous, à votre entière disposition. Pour aujourd'hui, c'en est vraiment, vraiment fini. Bye bye. Bisous à tous.